Lord Mason pour le sergent Woods. Je suis là, gamin. Tout va bien. T'en as mis du temps. Je commençais à croire que tu reviendrais pas. Qu'est-ce que je foutais là-bas ? Les morts souffrent pas. C'est pour ça qu'on est toujours. Tu vas souffrir avec moi. Tu fais partie de son plan. Ça fait 30 ans qu'il travaille dessus et il compte sur toi pour essayer de l'arrêter. Attends un peu. Franck, t'as des infos? Tu te souviens du pendentif? Il a disparu. À ton avis, tu crois qu'il a foutu le camp tout seul? Ce type, il a tout prévu, il sait exactement ce que tu vas faire. Il va tuer 20 millions de personnes, peut-être même plus. Comme si ça pouvait la ramener. Tout ça, c'est pour sa sœur. Il a tué mon père pour te faire payer. Ouais, c'est bien ça. C'est jamais simple avec lui. Hé ! Qu'est-ce qui s'est passé au Panama ? J'étais sûr qu'on l'avait eu au Nicaragua. Et un an plus tard, il refait surface au Panama avec ce fumier de Noriega. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La CIA décide d'en finir et donne l'ordre de le capturer. Alors ton père et moi, on y est allés. Une sacrée merde. Mason ? Woods ? Content de te voir, Frank. Moi aussi, Alex. Quand, Mark ? Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Quand est-ce qu'on va fonder une famille ? Passez par derrière. Elle est vraiment furax. Une famille ? Je croyais qu'on parlait de demain, là. C'est pas le seul problème, Mark. Je dois faire autre chose de ma vie que passer mon temps à t'attendre en me demandant à quel trou. Tu vas nous traîner la prochaine fois. Allez, Franck. C'est pas assez, Marc. C'est pas assez. Salut, les gars. Salut, McKnight. T'as le matos? Ouais, le sac de sport dans la remise. Ta femme a pas l'air très contente. T'as pas été lui parler de l'invasion, au moins. Non. Et apparemment, je suis bien le seul. Elle l'a su par la femme de Jacob, celle de Steve et de Bill. J'ai eu l'air de quoi, moi, hein? Qu'est-ce qu'on attend pour buter ce connard? Hein? Après la merde qu'il a foutue au Nicaragua? Les boss en ont marre de ces conneries, mais ils le veulent vivant. Hein? Ça me plaît pas du tout. Bon. Manuel Noriega. Maintenant appelé Objectif Faux Profit. C'est une mission de capture et de dénigrement. On doit détruire sa réputation et limiter les risques de soulèvement en son nom. L'invasion permettra de faire diversion, et on pourra envoyer les cils. Alors on est prêt. Ouais. Venez, je vous raccompagne. Ils ont tout fait pour. Je me suis permis de jeter un coup d'œil à tes anciens dossiers de service. Toutes ces conneries avec les nombres. Les soviets t'ont vraiment mis des trucs dans le crâne? Ils ont tout fait pour. Ma poule a témoigné. Oui, on allait. L'Église América! Et merde! Tu rigoles, McKnight, ça vaut pas le coup. Ouais, je sais, t'as raison. Bienvenue au Panama, les gars. Une mission bien planifiée. Insertion propre arrivée par la mer. Le seul truc qui clochait, c'était Hudson, qui menait l'opération par radio. J'avais un pressentiment, dès le début. Je sais pas, je savais qu'il y avait un truc bizarre. Mais je l'ai ignoré. Hudson, ici Mason. Le bombardement a commencé en avance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans 10 secondes. Hudson, tu me reçois? Pas de réponse. Continue comme prévu. Go, go.
McKnight, ici Mason, on y est. Les SEAL vont sécuriser l'aérodrome et le QG de la FDP pour empêcher faux profit de filer. Je vous couvrirai depuis le bâtiment 12 à l'extérieur du secteur. Hudson n'avait pas annulé ce plan? Si c'est le cas, je suis pas au courant. Bonne chance, Mason. Terminé. Vas-y, Woods. Tu sais ce qu'on dit? Si tu dois foirer, autant le faire le plus tôt possible! Ici McKnight. Je suis en position au bâtiment 12. La FDP a des hommes partout dans l'aérodrome. Golf se dirige droit sur eux. J'ai voulu les prévenir, mais la radio déconne. On est en route. Terminé. On fait quoi pour faux profit? On attend le signal d'Hudson. La CIA le surveille de près. Ça m'étonnerait qu'il puisse aller bien loin. Faut prendre de la hauteur. Équipe Golf, ici Mason, on va vous couvrir. Cessez le feu pendant qu'on sécurise les toits. Merde, la radio déconne encore. Attention, à gauche! Je vais vous couvrir! Ok, Woods, on y va quand même. Occupez-vous de soutenir les cils. Équipe Golf, ici Mason, en position. Le toit est nettoyé. Surveillez vos tirs, on entre par la verrière! Juste en dessous de nous! Noriega est prêt à décoller! Woods, utilise un lance-roquette! Merde, le camion! Woods, monte dedans! Bordel! Ennemi repéré! Bâtiment d'en face!
Mason, c'est Hudson. Bordel, mais t'étais où? Hudson? 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 On nous a confirmé la position de l'objectif faux profil. Hôtel Adelina, chambre 225. Capturez-le. Terminé. Cible en visuel. Je vois plusieurs ennemis autour de l'hôtel. Laissez-moi faire. C'est bon. La 225 est en haut, deuxième niveau, à l'est. Suis-moi. T'es prêt, Woods? C'est parti! Capture-le. Bouge pas ou je te fais sauter la cervelle. Qu'est-ce que vous faites? On enterre votre réputation. Vous faites erreur. Appelez votre chef. Assieds-toi et ferme-la. Hudson, ici Mason. Je t'écoute, Mason. On a faux profit. On va l'évacuer. Négatif. Vous avez de nouveaux ordres. Faux profit a des informations sur une cible Nexus prioritaire. Vous allez l'escorter à un autre endroit comme VIP pour échange de prisonniers. VIP, mon cul. Cible Nexus? Qui peut être plus important que ce connard? J'aime pas ça non plus, mais on a des instructions. On a déjà perdu du temps. Il a même des contacts. Putain, Kravchenko! Tu te souviens de ce qu'il a dit en Afghanistan? Il y a quelque chose de pas net là-dedans, Woods. C'est une mission de capture. Et là, ce connard Hudson nous annonce qu'on n'est plus là pour capturer Noriega. C'est un échange. Contre un autre prisonnier. Ouais, c'est là que j'aurais dû tilter, à ce moment précis. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Bordel de merde, j'ai été trop con, je te jure. T'énerve pas. T'énerve pas. Enfoiré d'Hudson. J'aurais dû le buter au Vietnam. Ces enfoirés traitent pas mieux les civils qu'au Nicaragua. Ils ont l'air complètement défoncés. Liquide-les. Je vais surveiller notre colis. Amenez-vous, espèce de sale fils de pute! Muérete ya! Restez pas là! Rentrez chez vous et ne bougez pas! Mason, le VIP est toujours avec vous? Affirmatif. Allez au point de contrôle derrière le bidonville. On vous indiquera où l'échange des prisonniers aura lieu. C'est un endroit dangereux. Je dois être capable de me défendre. Donne-moi une arme. Donne-lui ce qu'il demande, Mason. C'est un ordre. Terminé. Et merde. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez demandé une arme. Vous n'avez pas parlé de munitions. Il vaut mieux pour nous tous que personne ne vous reconnaisse. Allez, en route! Woods, passe devant. Moi, je surveille Noriega. Les forces américaines sont entrées dans la ville! L'invasion se propage! Prends au nord! Attention à nos alliés et aux civils non armés! Il y a des soldats ennemis partout! Restez à couvert! Avance dès que la voie est libre! C'est pas grave si on est séparés! Occupe de Noriega! À mon signal! Sur le balcon! À droite! Ils ont une mitrailleuse retranchée sur le balcon! Marcelinos!
combat! En avant! Sur les toits et les fenêtres! Restez à couvert! Au milieu de la ville! Le parc est sur la droite! Alliez droit devant, cessez le feu! Vous bougez pas de là, sale enfoiré! Ok, en route, le parc est là! Il y a des combats sur notre gauche! Reste à droite du dôme! C'est pareil ici! Avancez! Ralentissez pas! Avancez en restant à couvert! Par où? Par où? Il y a une église au nord! Le point de contrôle devrait être juste après! C'est trop dangereux sur la gauche! À droite, Wood! À droite, sous les arcades! La merde, c'est pas possible! C'était pas beaucoup mieux avant le raid. Hudson, ici Mason.
On est presque au point de contrôle. Plus que quelques blocs. Hudson ? Chier. Je sais pas pourquoi les transmissions déconnent, Woods. T'en fais pas, Mason. Il y a toujours des problèmes techniques. Chut, c'était quoi ça ? Elle agonise, Mason. Il faut qu'on le rattrape. Je savais qu'on n'aurait pas dû lui laisser autant de liberté. Les tirs venaient de l'intérieur. Blessé, appelez un médecin. Oh putain. À l'aide ! Qu'est-ce qui venait ? Là-haut, c'est... À l'aide ! Troisième étage. Remontez-moi ! Remontez-moi ! Merde ! Ils sont entrés dans le bâtiment. Odin 1-2, demande de soutien. Secteur ouest, je marque de la cible tout de suite. À partir de maintenant, t'as même plus le droit de respirer ! Sans qu'on t'y autorise ! Allez en enfer ! L'enfer, on connaît déjà. Bouge, frappe aérienne imminente! Allez, on bouge! Bouge, frappe aérienne imminente! Ok, on est presque arrivé. Génial! J'ai hâte de pouvoir reculer sans te voir rien. Oh, ouais! Mason! Hudson! Où t'étais passé, putain? Vous êtes au point de contrôle? Messieurs, votre transport est prêt à partir. Par ici, monsieur. Le VIP est toujours avec vous? Ouais. Mais c'est qui cette cible Nexus? Qu'est-ce qui est plus important que l'objectif faux profit? Il faut me faire confiance, Mason. Il le faut. Terminé. Il m'est arrivé de douter d'un ordre, mais jamais des raisons. On prend soin de son unité. On ramène ses gars au percail. Je connais ça, Franck. Ben, c'est pas comme ça. Le commandement est foireux. Je suis un soldat. Je reçois des ordres, et je fais mon boulot. Woods, t'es en position. Mason est déjà en position. Je vais vers le toit du bâtiment sud. Sur le bâtiment ouest, quelques dégâts sur toute la cour. Radio, mais... Par là! Tout est en place! Personne doit savoir que je l'ai trahi. Qui? Hudson! Qui est la cible Nexus? Hudson! C'est lui, Woods. La cible Nexus, c'est Raoul Menendez. T'aurais dû nous le dire, Hudson. T'aurais dû nous le dire. Nous sommes prêts. Amenez-le. Ils sont en train de sortir, ce fils de pute. On confirme la cible. Il a même des contacts à la CIA. Faut en finir, Woods. Me savoir ce qui vous réjouit comme ça.
vous allez me dire ce qui se passe? Il se passe quoi ici? Non. Mason! Mason! Crétin. Enfoiré! Menendez! Mason est mort. Et c'est votre faute. Vous comprenez pourquoi? Il allait abattre David. Vous devez souffrir comme moi j'ai souffert! Un autre doit mourir. Vous? Woods? Ou David? Vous avez 10 secondes pour décider où tout le monde y passe! Woods, je peux pas. J'ai 2 enfants et... Merde. Moi. Allez. Tuez-moi! Votre vie sera hantée parce que vous avez perdu. Et alors, enfin, vous pourrez comprendre ce que vous m'avez fait subir. Je ne vais pas te tuer, petit. Mais comme Woods, tu vas souffrir avec moi. Et un beau jour... Tu reverras ce pendentif. Hein? Et tu te souviendras de tout ce qui s'est passé ce soir. Tu te rappelleras ces années de colère et de douleur. Et à ce moment-là, David, viens, retrouve-moi. Papa, non!